Dovilis à Maxen. Yon famille qui sortit loin avec. Yon famille qui traversait en pile montagne avec. Yon famille qui passait en pile gros lamé avec famille là. Yon famille qui calmait en pile tempête. Pour yon, après-midi, yon rassemblé ensemble avec nous pour que yon capable de dire merci. Puis yon chante yon cantique à vous-même pour remercier vous pour tout ça vous fait pour yon. D'abord, nous sommes capables de manifester présence dans le nous. Et pendant nous pouvons parler, que cet esprit est capable de diriger tout ça que nous pouvons dire. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, sœurs et frères, bon Dieu nous a fidèles. Bon Dieu nous a grands. Bon Dieu nous a merveilleux. Bon Dieu nous a sans pareil. Et après-midi, petit message là, titré comme ça, célébrons Dieu pour tout ce que vous faites. Est-ce que nous répétons ensemble avec ça, c'est vrai? Célébrons Dieu pour tout ce que vous faites. Célébrons Dieu pour tout ce que vous faites pour nous. Louez l'Éternel pour s'allier pour nous. Famille Maxène, a dit l'Éternel merci. Bon Dieu sorti avec vous. Bon Dieu passé avec vous. Et après-midi, vous rassemblez nous pour que nous capables de lever ensemble avec vous pour que nous capables de célébrer le nom de l'Éternel. Après-midi, c'est un programme d'action de grâce. Mais action de grâce, qui ça lié même? Comment yon moun capable de définir action de grâce? Action de grâce, ça c'est un acte de reconnaissance et de remerciement à l'Éternel. Pour ce vous fait. Action de grâce, c'est un acte de reconnaissance et de remerciement à l'Éternel pour tout ce vous fait. C'est une action que vous avez posée. Vous avez dit comment l'Éternel bon pour vous, comment l'Éternel tout pour vous, comment l'Éternel merveilleux pour vous. Et c'est ça qui fait un signe de reconnaissance. Vous avez dit merci à l'Éternel. L'idée est une autre définition encore. Action de grâce, c'est une prière de reconnaissance et de remerciement à Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est une prière de reconnaissance, une prière de remerciement à l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous. Et selon la Bible, c'est une attitude de reconnaissance envers l'Éternel pour toutes sortes de bénédictions spirituelles que nous recevons de la part de Dieu à travers Jésus-Christ. C'est une attitude de reconnaissance. C'est une attitude de remerciement à l'Éternel pour toute bénédiction spirituelle que l'Éternel a accordé ensemble avec son serviteur, son servante. Et dans ce sens-là, il décide pour qu'il est capable de dire l'Éternel merci. Et il faut que vous manifestez reconnaissance, une attitude de reconnaissance, de remerciement à l'Éternel pour toute bénédiction avec nous. Il reste ça. Nous reconnaître l'amour bon Dieu manifesté envers nous-mêmes et en retour, nous dit l'Éternel. Yon attitude de reconnaissance, yon attitude, yon prière de reconnaissance. Comment yon monde capable de prier l'Éternel pour dire merci, pour s'allier, pour s'alver? À travers la Bible, nous gagnons environ 10 cantiques que serviteur avec servante qui ont été adressés à lui-même pour dire merci. Pour s'allier, pour s'en faire. Là, nous ouvrons la Bible, non, non. Exode 15, les versets 1er à 19. Nous voyons, peuple Israël te chanter à l'Éternel. Yon cantique d'action de grâce. À cause des délivrances, li te accordé avec yon. Après, yon fin passé la mer rouge. Pendant yon devant la mer rouge, yon pas toi qui sape yon te fait. Pendant yon gagne montagne à gauche, montagne à droite. Égyptiens derrière eux, la mer rouge devant eux, ils ne connaissent pas qui ça a pu faire. Eh bien, l'Éternel demandait à Moïse qui s'allait la mer. Moïse s'est dit, il y a un bâton. L'Éternel dit, longe le bâton. Et pendant, il longe le bâton. Dans la Bible, l'Éternel déclaré, lui-même, il est fort et puissant dans les combats. La mer rouge a pied sec. Et après, il a pu traverser la mer rouge. Dans Exode 15, ils chantaient la gloire de l'Éternel.